Qu'est-ce qui Eh bien, salut à tous les amis, et c'est votre tavernier. Bienvenue pour un nouveau live. Hop, 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 des pensées sur nuit. On enlève ça de suite. Des pensées sur nuit. Voilà, ça va mieux. Bienvenue pour un nouveau live sur The Division. Tout seul, sans dédié, sans personne. Juste vous et moi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller tuer des gens. Apparemment, c'est la chose que je sais le mieux faire, donc... Salut, Tizak, bienvenue sur le live. Bah, t'arrives pile au bon moment. Je viens tout juste de démarrer. Bien vu. Attention, préparez-vous pour le changement infini, ça va bloquer à 10%. Bloqué. Voilà. Vous avez vu ça? Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je vois dans l'avenir. Je suis dans la matrice. Un petit peu de The Division. Ça fait pas de mal. On aime ça. Ah, ça fait plaisir de vous parler à haute voix. Ah bah oui, bah bien sûr, Tizak. Ça va toujours. J'ai enfin trouvé un petit moment pour faire un petit live. On va le faire jusqu'à... 17h, jusqu'à 19h, avant que j'aille travailler. Et oui, parce que le tavernier, il travaille le soir. Wouhou, c'est la fête. Là, j'ai plus de voix, moi. Donc, petite annonce pour vous dire que... La semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Je ferai peut-être des lives de nuit, à partir de jeudi. Mais globalement, l'après-midi, je ne ferai pas du tout de live parce que... vacaciones. C'est les vacances pour moi et pour la tavernière, du coup, je compte bien en profiter. Bon, je me couche toujours aussi tard, donc je peux faire des lives de nuit, mais... comment dire... Je ne vais pas pouvoir, comme vous le savez, parler à haute voix quand je fais live de nuit. Hein. C'est comme ça. C'est la vie. Par contre, la semaine d'après, ça a chié les bulles. Alors là, ça va être des lives tous les jours, pratiquement. Parce que les tavernières ne sera plus en vacances. Mais moi, je serai toujours en vacances. Du coup, il y aura plein de lives. Donc la semaine prochaine, ce sera un peu calme. Et la semaine d'après, des lives. Des lives et encore des lives. Je compte bien torcher The Division. Hein. Ah, nous voici, nous voilà. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Et vous savez quoi? Ça fait quand même bien plaisir de parler à haute voix. Parce que c'est chiant. Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on est où là? On est là. Parfait. Y'a plus rien à faire dans cette zone? Si, y'a 2-3 trucs là. Apparaissez ces petites missions. On va faire les deux petites missions. Celle-là et celle-là. Puis on va retourner à notre QG, on va améliorer, récupérer des nouvelles compétences et puis on verra. On verra à ce moment-là. Allez hop, c'est parti. Par où il faut que je sois ? Silence ! Je fais mon live, toi tu te tais. Alors, voyons voir. Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Attention, vous êtes sur le point de vous foutre sur la gueule avec plein de gens. C'est pas grave. Ça marche, Isaac. À toute. Allez, on marche. Je suis curieux de voir ce qu'a fait cette merde. Je m'en vais. Non, t'inquiète. Reviens, gamine, reviens. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais me parler? Ne fuis pas, ne fuis pas. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Ça marche, Isaac. Alors, on va y voir. 1 km à pied, ça use, 1 km à pied, ça use mes souliers. Alors, ouais, comme vous voyez, c'est la grande forme. C'est la grande forme. Je suis enfin content, là, je vais vraiment être en vacances, je vais enfin pouvoir me poser, faire tout ce que j'ai à faire et pouvoir me reconcentrer sur mes lives après. Visible. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que j'ai tellement de paperasse à faire en ce moment que pff, je passe mes journées à faire de la paperasse. Là, vous voyez, aujourd'hui, je me suis levé à 14h, donc j'ai dormi à peu près 6h. Ça, j'ai déjà fait. Je suis levé à peu près vers les 6h, donc c'est... Enfin, j'ai dormi 6h à peu près. Et j'ai fait de la paperasse, jusqu'à maintenant, en fait. Jusqu'à ce qu'on se rejoigne, vous et moi, maintenant, tout de suite. Et ça fait plaisir de vous revoir. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Approvisionnement d'eau. Approvisionnement... Je
parle du nez. Alors, je suis level 13, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a ma tête dessus, mais je suis level 13. Approvisionnement d'eau, voilà. Il suffit de trouver de nouveaux trucs. Des pièces, putain, ça sert à rien. Ouais, ça va chier, là. Je sens. Le sentez-vous? Il y a des ennemis. C'est bon, je commence à comprendre le truc. Ah, ah bah je préfère largement cette arme que la K. Alors là, ah je préfère 10 fois cette arme que la K. 100 fois même. Faut que j'escende. Eh ben descendons. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Attendez, un écho. Écho! Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, petit écho? Madame dans le petit, mais nettoyeur répond dans le brûlant. Ouais, laissez-moi deviner. Va falloir que je défonce les nettoyeurs. Regarde, c'est mon inhalateur! Non! Communication radio interceptée. Traitement en cours. Les gars, va falloir qu'on réduise la pression du réseau hydraulique de la ville. Ils éteignent nos feux plus vite qu'on les allume. Et on peut pas les laisser compromettre l'opération. Évidemment, les nettoyeurs, c'est quand même des sacrés péteux. On va les défoncer. J'aime pas les nettoyeurs. Ah, des composants. Oh, du bleu, pas mal. Du bleu encore. Encore du bleu. Fais-moi plaisir. Oh putain, du bleu. On va pouvoir faire des jolis trucs. Là. Aux ennemis. Ça passe, ils mangent un fuck, hein. Oh, elle a abusé cette arme. Oh, je l'aime. Bing, bang. Qu'est-ce que ça? C'est un sup pour fusil Omega. Ok. On fera peut-être un petit tour à la Dark Zone. Hein. Attention, niveau de pression de l'eau critique. Hop hop. Attention, force hostile en approche. Attention, niveau de pression de l'eau critique. C'est où ça, celui-là? Attention, force hostile en approche. Comment je monte? Comment je monte? Faut que je fasse le tour. Il court le tavernier, les bois perdus. Attention, niveau de pression de l'eau critique. Bon, vous m'embêtez avec votre pression de l'eau, là. C'est bon ? Avertissement, pompe en état de marche, pression de l'eau en cours de stabilisation. Bah super ! J'ai vu qu'il y avait un petit coffre, hein. Allons le prendre. Parce qu'on a tous les armes qui sont enchaînées. Putain, comment ça manque des munitions ? J'aurais dû prendre des munitions ! Tant pis. Va falloir faire ça.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit? Pourquoi tu veux pas l'ouvrir? Ah. Super. Des gants à la con. Bon, maintenant, cette petite mission, sécuriser le largage de ravitaillement. Ouais, c'est bien. Ça c'est tranquille l'XP quand même, hein. C'est assez sympa, moi j'aime bien. Pour peu que vous y jouiez pas tous les jours, vous faites un peu comme moi, ça passe bien. Ça passe bien le jeu, c'est sympa. Balise d'écho actif détectée. Ils sont tous dans... Ils n'ont rien compris. Surprise. Alors, qu'allons-nous faire? Acquisition de ravitaillement. Y'a pas quelqu'un qui aura à boire? Whisky, gin, vodka, je m'en fous. Sinon je me tire une balle. On peut plus, putain. Caisse de ravitaillement localisée. On laisse passer personne. Ah putain. Putain, il s'est pas l'enculé. Il est touché. Putain, le mec il veut pas se laisser tuer, quel enculé. Vous attendiez à quoi les gars? Attention, force hostile en approche. Attendez à quoi, à ce que je me laisse faire? On dirait qu'il veut crever lui! Achevez-le, bordel! Ok, parti! Pas mal cette mission! Il est mort! Allez, tirez-lui dans le cul! Qu'est-ce que vous disiez les gars? Qu'est-ce que vous vouliez? Ah, ça fait chier quand je porte pas de sac, hein. Bingo. Attention, force hostile en approche. Attention, force hostile en approche. Allez, trace. Cours, Forest, cours. Confirmation, ravitaillement marqué pour extraction. JTF informé. Facile. Quand on s'appelle Tavernier. Les battes, comme je me la pète. Bon. Sac souple, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, des petites boîtes là, des petits outils. Du bleu, c'est bon ça. Par contre, il y avait un petit écho, là. Il y avait un petit truc. Voilà. Les gardes-côtes viennent de l'arrêter sur les Striver. Elle était en train de ramer dans un Zodiac avec 50 kilos de coke. Son moteur l'avait lâché. Vous vous foutez de moi? Non, madame. Bah, ils sont où les feux d'artifice? Pourquoi j'entends personne déboucher le champagne? Quand on l'a mise en cellule, elle arrêtait pas de sourire. Je lui ai demandé si elle était contente de rentrer au bercail et elle m'a craché au visage en répondant « Ouais, et vous allez tous crever avec moi. Vous,
Vous pensez qu'elle est infectée? Je sais pas. Je suis à l'hôpital, là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a de dispo? Ça, c'est pas notre niveau. Ça, c'est encore moins notre niveau. La prochaine zone, je pense que ce sera celle-là. Head Kitchen. Ouais. Faudra qu'on soit Head Kitchen parce que c'est niveau 10-13. Je suis niveau 13. Là, ce que j'ai fait, c'était niveau 10-12. Ouais, donc il va falloir faire ça. On va aller là. On va aller à notre base, on va se faire un peu le tri dans notre inventaire, on va améliorer aussi nos compétences. On va voir. Qu'est-ce qu'ils sont longs ces temps de chargement? Mais qu'est-ce qu'ils sont longs? Allez, sans déconner, vous trouvez pas? Non mais c'est abusé, hein. Nous y sommes. J'ai l'impression que l'aile technologique elle est vachement dure à améliorer. J'ai peu de missions en rapport avec elle, donc c'est un peu chiant. Vous faites du super boulot, mais ne vous relâchez pas. Pas de problème, patronne. Je viens de l'appeler patronne là. Ça c'est du caca. Est-ce que là il y a un truc qui est mieux? Non, c'est caca. Et en pistolet, j'ai récupéré mieux? Non, évidemment. Là, rien de meilleur. Rien de meilleur. Évidemment, pour le reste, c'est pourri. Ah, quoique, peut-être que j'ai un mode pour cette arme maintenant. Est-ce que j'ai des modes? Oui, j'ai un petit. Ah merde. Il est déjà attribué. Ah, j'ai un petit chargeur pour. Ah putain, c'est déjà attribué. C'est pas facile tous les jours, hein. Bon, tant pis. Hey, vendons le plus beau catalogue le de cracra. T'as tout ce qu'il faut maintenant? Le cracra s'est vendu. Oh, ça s'agrandit! J'ai vu que des tas d'armes du LMB avaient été déplacées jusqu'à un endroit à côté. Dis donc, vous avez l'air pressé. Excusez-moi. Dure journée, hein. Il me faudrait une passion en plus. Ah, c'est égoïste. C'est Noël dans le jeu. Ah, c'est pas mal ça. Le fait que la base ça soit agrandi. Parce qu'on a pris des niveaux, parce qu'on a. On a amélioré la base et tout, c'est pas mal ça. Hey, ça va, c'est pas trop dur. Pour prendre les deux sécurités, il y a encore à faire. Vous faites du super boulot. Prenons un peu de balles pendant que j'oublie. Voilà. Faites gaffe à vous quand même. Ça, vous voulez l'améliorer. Donc est-ce que je peux enfin obtenir un tissu bleu? C'est bien ça. Est-ce que je peux l'améliorer, l'aide médicale? Normalement, oui, j'ai 1000 points. Ce que j'aimerais bien, c'est débloquer le dernier. Voilà. La compétence, lien de guérison. Guérit l'utilisateur et ses alliés proches, réanime les alliés proches. Ça, c'est pas mal ça. Bonus, boîte de conserve, fournisseur. C'est pas mal ça. Après, ce que j'aimerais bien récupérer aussi, surtout, c'est. Je vais pas bien du tout. C'est le dernier niveau de. Comment dire? De protection contre. Voilà, c'est ça. Unité Hazmat. Ah, on va faire l'unité Hazmat d'abord. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je pourrais accéder à toutes les zones contaminées en fait. Ça m'a l'air parfait, ça. Bon, pour vous remercier, j'essaierai de vous trouver une bonne bouteille. Vos modes de compétences. Pas mal, j'ai récupéré pas mal de trucs là. Est-ce qu'il y a un autre truc? Augmente 1 l'emplacement d'inventaire de la Dark Zone. Ça, c'est pas mal aussi. Accroît les gains de crédit de 10%. Accroît l'inventaire. Ça, pour la Dark Zone, c'est pas mal ça.
Augmente de 1 l'emplacement d'inventaire dans la Dark Zone. Allez, on prend. Bon, je dis autant qu'on améliore tout ce qu'il faut améliorer, et puis voilà. Ensuite, au niveau de la quarantaine. On va garder le reste de nos améliorations. Pour voir les compétences qu'on a récupérées. Bah attends, après, attendez. Alors améliorer ce qui doit être amélioré. Et de sécurité. J'en ai 981, je devrais pouvoir améliorer quelques trucs là. Hein ? Qu'est-ce qu'on a ? Armurerie. Créer une protection temporaire du niveau standard pour une personne jusqu'à sa destruction. Ça en faut. C'est pas vraiment des trucs que j'utilise. Hein. Alors, vous savez quoi, on va prendre ça. Augmente de 1 l'emplacement à l'inventaire de la Dark Zone. Comme ça, je pourrais avoir plein de trucs dans la Dark Zone. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. Merci de votre aide. La caserne, ça, l'armurerie, ça vaut assez cher. Donc on va prendre ça. Allez, je vais prendre ça. Allez, petit jeu. Augmente l'inventaire des grenades de 1. Débloque un marchand d'armes avancé dans l'aile de sécurité. Ah, pas mal, ça. Ok. Il est où, le marchand? C'est toi? Marchand de matériel de la Dark Zone. Ah ouais, carrément. T'as carrément le mec qui vient me vendre des trucs de la Dark Zone directement chez moi, en fait. Ah, c'est pas mal, ça. Bon, il faudrait que je sois de grade de haut niveau, donc ça pose problème. Salut le chien! Vous êtes allé au tunnel du Queens dernièrement? Et c'est mieux là. Là c'est mieux, on a pris. Re, Isaac! Là on a pas mal amélioré notre bousin. Marchand d'armes avancées. L'armurerie est ouverte. Ça veut dire plus d'armes et d'équipements pour nos gars. Et ça fait déjà pour le travail. Oh! Fois de niveau 14! Fais chier! On se reparle plus tard. Shit! Bon, petit marchand de puce. Marchand de récompense. Eh, hey, mate-moi ça. Mate-moi ça. Eh, mate-moi ça, mec! Mate-moi ça! Regarde mon matériel! Comme si je vendais des trucs tous les jours. Mon meilleur truc. Mon meilleur matos pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfait. Ces chambres de décontamination vont nous être utiles. Ok. Grâce à elles, on va pouvoir stocker et entretenir le matériel Azmat. Bon travail, agent. Ces chambres de décontamination vont permettre de sauver des vies et d'arrêter la propagation des maladies. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais il nous reste l'aile technologique. Bon, on n'a pas grand-chose sur l'aile technologique, c'est assez embêtant. Alors, est-ce que je peux quand même améliorer... Accroît la durée d'effet, on s'en fout. Déverrouille le modificateur de stat d'objet au poste de. Ah. Recalibration. Ça a l'air pas mal ça. Ça devrait faire l'affaire. Bon travail. Ok. Le poste de recalibration permet de modifier les bonus et les attributs de votre matériel. C'est pas mal. Contre peu de monnaie, vous pourrez changer la propriété d'un matériel contre une autre propriété aléatoire. Seules les propriétés déjà modifiées d'un objet peuvent être changées de nouveau quand un objet a été recalibré. Chaque nouveau essai coûte plus cher que le précédent. Compris ! Avec cette zone dédiée aux réparations et au recyclage du matériel et des armes, vous venez de mettre du baume au cœur au bricoleur que je suis. Je vais vraiment pouvoir me faire plaisir ici. En même temps, j'ai peu de missions de l'aile technologique, donc c'est aussi pour ça que je peux pas beaucoup l'améliorer. On a fait beaucoup de missions de écoutez, on de a soins. Tous les deux des trucs à faire. On discutera plus tard. C'est vrai, ouais, je m'en fous, je voulais pas te parler. Mais ouais, c'est chiant. Faites gaffe à vous, ok. Ah, recalibration. Alors, voyons voir. Bon, on va prendre l'exemple. Je veux prendre ma veste. Elle me fait ça. Je veux la recalibrer. Je vais sélectionner l'objet.
Pas mal. Augmentation XP, santé bouclier, du bouclier intimé. Je veux changer ça. J'ai tout ça de recalibration possible. Ajouter attribut. Et paf! Je peux sélectionner ce que je veux. Santé bouclier intime. Auto-guérison par premier soin. Santé bouclier intime. D'accord. Ok, je vois. Intéressant. Bon, est-ce que je peux me fabriquer des armes un petit peu badass? Ou est-ce que c'est du caca? C'est du caca. Ah, quoique non. Ceci est une annonce des services d'urgence. Les civils souhaitant laisser des messages à leur... Il est plus puissant celui-là. Sont invités à se rendre dans... Fusil sniper contre fusil sniper. Ah bah ouais, moi je vais me le fabriquer. Les cartes ont été mises à leur disposition. Gling. Voyons voir. Ah, il est carrément plus puissant. On va lever donc tout ce qui est dessus là. Non, je veux pas démanteler. F-mode. Je suis sûr de vouloir retirer tous les modes de l'arme. Ouais. Et je vais les mettre là. Mode. Alors. On va te mettre une petite lunette x15. Parce que c'est la base. On va te rajouter une petite bouche. Ceci est une annonce des services d'urgence. Une tasse de café sera désormais proposée avec la ration de nourriture du matin. Je répète. Je peux pas te mettre de canon. Dommage. Ah, on est bien là. Et toi, je vais te casser. Pour avoir une pièce d'arme. Super. Super. Ah oui, déjà au niveau des capacités, du coup, on avait débloqué pas mal de capacités. Regardons ça. Vous avez découvert des modes pour l'une de vos capacités. Les modes étendent et améliorent vos capacités. Est-ce que... Ouais, putain, j'ai amélioré. J'ai trouvé vachement de modes là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Modification. Donc, les alliés récupèrent munitions en rechargeant et la récupération étant taux de guérison. De base, mon taux de guérison il fait 53. Ah mais là c'est moins efficace là du coup. On va plutôt mettre en poste qui améliore vraiment leur... Bon, j'ai rien pour améliorer ça encore, c'est chiant là. Il faut que je chope la quarantaine pour améliorer ça. Ok. Donc maintenant les amis, où est-ce qu'on va? Alors Times Square, 10-13, 10-13, 10-13 les deux, 10-13. On va faire tac, tac, et puis Clinton, là. Faut qu'on achève le haut. Mais on va commencer par faire Head Kitchen. C'est là où il y a Daredevil. On va commencer par là. Ok, on est parti. Ceci est une annonce des services d'urgence. Test, test, 1, 2, 1, 2. Ok. Oh, je l'aime ce sniper déjà. Oh, que je l'aime ce sniper. Il me vend du rêve déjà. Je le prends. Alors, qu'avons-nous? Faut qu'on aille là-bas. On va d'abord commencer par aller vers la planque. Pourquoi me direz-vous? Pourquoi ne venir allons-nous à la planque? Mais parce que à la planque, on va pouvoir déverrouiller toutes les missions qu'il y aura aux alentours. Quelque chose ici, je le sens.
Bonjour messieurs. Je me tire. Petite esquive. Ensuite le petit GPS. Et quelle heure? Ah, c'est quand même. On a le temps. Je pense qu'on aura le temps de faire la zone plus la mission de la zone. La planque dans Dante's Rhyme. On passe par là ou quoi? Mauvaise idée. Ça va, j'espère. Me tarde qu'on se refasse un petit peu de Dark Zone aussi. Mais au prochain level, on en fera la Dark Zone. Ça sert à rien. Oh, trois outils bleus, pas mal. Oh, pas mal cette planque. Au prochain level, parce que on va rentrer dans Dark Zone, on va récupérer de l'équipement qui n'est pas de notre niveau, donc ça ne sert à rien. Donc on viendrait. Il nous faut de l'équipement qui est adapté à notre niveau. Je les ai complètement foirés. Mais c'est qu'ils me font du mal là. Méchant garçon. C'est que ça, il y a un drone écrasé là. Ah tant pis. On fera ça ce genre de truc plus tard. Quand on aura fait pas mal de trucs dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du soda? Tiens moi de l'eau. Confiance. Merci. Veste militaire moderne. Et voilà, on arrive dans une zone et la mission, c'est encore une mission de par rapport à l'aile médicale. C'est pas ma faute, hein, c'est que eux qui proposent ça. En même temps, l'aile médicale, c'est l'aile où il y a le plus de trucs à améliorer, donc. Je voudrais regarder un petit truc sur ma carte. Ouais non, je regardais que j'avais bien fait les zones. C'est-à-dire que j'avais pas oublié de rendre des trucs dans les zones. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes un exemple pour nous tous. Pas besoin de s'exciter. C'est quand même sacré bordel. Hein. Par contre, tu veux trouver une PS4, là, c'est facile. Hein. Tu peux te servir. Hein. Les gens s'en foutent. Tu rentres directement chez les gens et tu cherches. Bon. Qu'avons-nous, là? Magasin de vêtements. Entrer dans la zone sur toi, impossible d'utiliser les armes des compétences ici. Bah oui, je le sais. Il y a un truc là. Je crois qu'il y a un petit enregistrement téléphonique là. M'en profiter. Ça y est, j'ai acheté la ferme. Quoi? Ok. J'ai acheté une ferme. 16. Vous entrez dans une zone de sûreté. Mais pourquoi tu m'as coupé la conversation, je. Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous plus haut niveau que moi.
Parce que c'est le cas, t'avais dit. Et pourtant, j'aurais bien les zones. Ah, ils ont dû faire un peu du Dark Zone en fait, je pense. Je cherche quelque chose. Alors déjà, récupérons toutes les missions qu'il y a dans le coin. La zone n'a pas l'air si grande que ça, hein, ici. Waouh! Vous êtes l'agent de la division, hein? Je m'en voulais pas d'être direct, hein, mais je vous trouve fantastique. Oh putain, de toute façon, si vous l'étiez pas, vous seriez pas là. Oh putain, fanboy! Ça va être un privilège de vous envoyer des infos. Et je vous tiens au courant dès que j'ai quelque chose. Promis. Alors voyons voir, qu'avons-nous? Ah non, il n'y a pas de mission là, il n'y a pas de mission. Ah putain, la mission de Adam Clinton. On a tout l'immeuble à nettoyer, les gars. Bon, on va faire tac, agent, tac, tac. On tac, nous a tac, signalé tac, un tac, groupe tac. De Rikers qui se déchaîne dans le quartier. Je veux pas vous embêter, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très important. Mais si vous pouviez faire quelque chose, ce serait fantastique. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Le mec, et s'il vous plaît, un autographe. Je crois que ça me ferait bizarre. Si un jour je devenais vraiment connu, bon, ce qui n'arrivera jamais, mais si un jour je devenais vraiment connu, sait-on dans le monde le plus fou, putain, que quelqu'un vienne me demander un autographe, ça me ferait bizarre. Mais un autographe, je sais pas faire des autographes, excusez-moi. Oh, petit chat! Petit chat! Et quelle heure? 32, ça va, ça passe. On va la faire, tranquille cette zone. Hop, bonjour, excusez-moi, je ne vous avais pas remarqué. Bing. Oh, il est pas évident ce sniper. Tu l'as raté celle-là? Et celle-là, putain. Bing! Le premier lieutenant. Je vois ta tête. Où tu vas? Eh gamin! Viens ici! Là, je vais le défoncer là. C'est bon, je gère! T'as plus d'armure! Tu vas mourir! Alors les petits gars, on a essayé de me contourner. Par contre, cet AK, il fait du mal. Oh, il m'a mis cher. Il m'a mis cher. Putain, il m'a mis super cher, là. Oh, putain. Je l'ai défoncé aussi.
Ah, il y a une bonne zone là de pour le tirer dessus. J'ai pas fait gaffe. Utiliser les commandes du volet. Hop hop hop, des balles. Appel à toutes les voitures. Vous écoutez comme par hasard le podcast radio pirate pour Insomniac Parano. J'ai vu un truc à New York. Aujourd'hui, j'ai envie d'être super dark. Alors, je vous entends déjà. Sniper contre sniper, tu sais que c'est moi qui gagne. Fallait pas tenter. Non, c'était... Oh putain, lui il a eu chaud là. Parce que les boss sont pas forcément évidents. Salut Ducky, bienvenue sur live. Ça va chier. Hey Big Daddy. Est-ce que tu comprendras que tant que tu as tiré ta rafale, mec. Oula. Et il m'a fait une feinte, il a fait ça. Ouais, j'arrête de tirer. Et puis d'un coup, il m'a tiré dessus. Tu l'as aimé celle-là? Et celle-là? Vous avez réglé la situation en un temps record, agent. Attention, hein, j'en doutais pas une seconde. Hein. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites pas à quel point c'est cool d'être vous. Terminé. Oh, le gros fan. Le gros fanboy de service. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer d'intéressants? Peut-être là. Ça a l'air d'être une bonne planque là derrière. Mon gun. Lequel? Mon petit pistolet. Mon pistolet, c'est un PF-45 première vague. Ma mitraillette, c'est une M4 allégée. Et mon sniper, c'est un SRS furtif. Je crois qu'ils veulent juste que personne ne sache ce qui se passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Alors, il y avait une mission juste dessus. Ouais, on va faire ça. Acquisition de ravitaillement. Couricou le tavernier des bois perdus. Comment je les ai défoncés quand même? Il y a un petit truc là au-dessus. Ça se trouve, il y a du loot. Il y a du loot. Y'a rien, c'est la merde. Eh, Ducky, petit canard. Ah, désolé de Kir, dimanche moi je pars en vacances. Je ne pourrai pas vous rejoindre lors de votre précieuse partie de chivalerie. Mais je ne doute pas que vous allez vous amuser quand même. En plus je te vois, tu crois que je t'ai pas vu de Kir? Tu crois que je t'ai pas vu t'entraîner à chivalerie? Caisse de ravitaillement localisée. Oh putain, oh là là. Oh, j'aime pas cette mission, ce genre de mission là par contre. T'es où toi? T'es là toi? Monte ta tête! Allez vas-y, n'aie pas peur! Hey, c'est chelou, là. Putain par contre! Attention.
Ça ferait un tout petit peu de dégâts en plus, ça serait bien. Oui, du bleu. Oula, j'ai un petit coup de lag. Qui me parle hein? Baiko. On s'est fait attaquer par les Anglais, mobilise les forces armées. Ok, sur mon jeu là, on s'est fait attaquer. Oh, petit enregistrement. On prend. Dieu est partout. Dieu nous aime. Ok, mais il est 5h du matin. Il est beaucoup plus tard que ça, Gary. Ne le vois-tu pas? Les signes sont partout. Attends, tu veux dire que... Dieu frappe à ta porte en ce moment même. Lui ouvriras-tu? Louise, c'est toi? Mais pourquoi tu te caches le visage? T'es malade? C'est un test, David. Ouvre la porte. Non, je peux pas. Je veux dire, c'est pas... Tu ne veux pas savoir si tu as été choisi? C'est très bizarre ce qu'on vient d'entendre. Non, je plaisante pas. J'en ai plein le cul de sentir les poubelles des autres. Je peux plus prendre le métro sans qu'il y ait une troupe de danseurs qui fasse la manche. Les taxis, putain, les taxis. Toujours en grève ou à choisir un client, putain. Ça va, tu sais bien que tu pourrais pas vivre ailleurs qu'ici. Non, chérie. Toi, tu aimes vivre ici, et moi, je t'aime. C'est pas pareil. Ouais, tu l'as pensé, tu t'es bien entraîné. Hein, tu crois pas que je t'ai pas vu quand même? Attention, force hostile en approche. Tu crois pas une seule seconde que je t'ai pas vu jouer à ce jeu là? Hein, pour me friter? Non mais chevalerie, il est bien. À partir du moment où tu comprends bien le système de combo, déjà tu défonces plein de gens, ce qui est assez jouissif en soi. Et ensuite, voilà, tu coupes la tête des gens, c'est tout. Mais c'est marrant. Et le dernier. Oh, ils sont là. Ils sont où? Bing! La déconnesse, je tiens. Bon, posons juste ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es perdu? Ah non, mais chevalerie, il est chouette, hein. Ah putain, mais ça m'énerve! Je devrais les défoncer en deux balles, mais. Oula, t'es où toi? Il m'a bien rusé lui. Ah putain, je me gourde d'armes! Voilà. Confirmation. Ravitaillement marqué pour extraction. Éliminé. Mais je rush tout de même des fois. Ah oui, mais des fois tu rushes. Mais moi le pire du pire, c'est que tu vois, t'affrontes des gens à peu près normaux et tout dans le jeu. Tu t'en sors pas trop mal. Et dès que tu commenceras à vouloir faire des duels, à faire des matchs de duels, les mecs, mais ils vont te défoncer. Mais genre force 10 ça. C'est-à-dire qu'ils vont bouger dans tous les sens. Tu vas pas du tout voir où le coup va venir. Et du coup tu te fais défoncer. Moi quand je joue avec vous, je rigole parce que tu vois le mec qui te fonce dessus. Tu vois le coup venir à 10 km, tu sais d'où ça vient. Les mecs en duel, ils te démontent, hein. Je te conseille de le faire un de ces quatre, hein, mais tu vas voir. Hein. Tu pleures et là tu rages parce que les mecs tu te dis mais c'est pas possible hein. C'est pas possible, comment ils arrivent à me défoncer autant? Et pourtant en fait les mecs ils, tu vas voir, ils vont foutre un coup et en même temps ils vont faire le coup, ils vont bouger dans tous les sens pour vraiment que tu vois pas venir le coup en fait hein. Ravitaillement localisé, envoie des coordonnées. Empêcher le deal d'armes. Ouais, non mais duel c'est super chaud. 4,5. Celui qui va plus m'embêter, c'est celui-là.
Est-ce que vous avez vu ces 3 headshots que je viens de leur mettre quand même? Bon, t'as fini ou je peux jouer? Oh putain. Oh, mais c'est des headshots que je leur mets. Ouais, on dirait qu'ils font de la merde, mais en fait ils gèrent trop les mecs, c'est ça le truc. Tu lui dis ouais, c'est vraiment tout pourri, je vais les défoncer, et puis. Puis finalement tu te rends compte que c'est toi qui vas te faire défoncer. Renfort JTF demandé. Une minute, oula, ça va être violent. Si j'ai qu'une minute d'attente, attention, ennemi, c'est que en je vais ramasser. Attention, force hostile en approche. Derrière. Alerte, engin explosif détecté. Faut vraiment que je leur mette des headshots parce que sinon. Oh là là, qu'est-ce que je leur ai mis? Qu'est-ce que je leur ai mis là? Qu'est-ce que j'en pense de The Division? Qu'il est très bon. J'en pense qu'il est très bon. Le multijoueur est excellent. La phase XP se fait tranquillement. T'as pas mal de missions différentes. Non, mais. Putain, j'ai mis un headshot, j'ai tiré au pif là. Oh, putain, mais ces headshots. Oh, mais je suis trop fort là. Ah, mais là, je suis dans la matrice là. Je vois le jeu, je vois les lignes de code là. Bing! C'est. Confirmation. On peut penser que. On peut penser que les. Les NPC sont débiles. Il y a des moments où ils le sont. Mais il y a des moments où ils te font des belles embuscades quand même. Moi je me suis déjà retrouvé à un moment où je me fais encercler par des NPC et par des PNJ. Et je l'ai pas du tout vu venir. Dis donc, vous êtes balèze, vous. Putain, par contre, là, je leur ai mis violence. Hein. Là, je leur ai tellement mis violence que. Putain, ils sont en train de pleurer encore. Putain, encore! On lâche rien! Il est là! Tu as envie de vivre? Oula, c'est du boss là! Oula là là! On vous pompe la gueule! Vous êtes mort! Pourquoi c'est un niveau aussi élevé là? Mon loot! J'ai chié quoi! Bon, là j'ai pas eu de bol parce que là en fait j'étais pile à la frontière avec une zone de plus haut level et je suis tombé sur les bestioles les plus fortes de la nouvelle zone. Donc, voilà. C'est pas drôle. J'ai un pote, la Sagame, ouais, je le connais, toi. Enfin, je le connais. Je le connais donc quoi. Il fait un live dessus. Il trouve que si tu joues seul, c'est chiant. T'es d'accord avec lui? Ah, par contre, ouais, je suis plus d'accord avec lui. Quand t'es tout seul, le jeu, faut avouer que ça devient un peu chiant. Mais il suffit de trouver des potes et tu t'amuses. Hein. Ça capture des civils. Faites attention à vous, d'accord? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. Ce serait un honneur et un privilège de vous aider. Et au fait, si vous pouviez me dire où je peux trouver une super monde comme la vôtre, ce serait super. Oui, sérieux. Ouais, mais en fait, tout seul, mais en fait, ça se joue bien tout seul. Mais c'est vrai que c'est plus marrant quand t'as d'autres joueurs, quand t'as des amis. Moi, malheureusement, je n'ai personne à part Dooms dans l'entourage qui a le jeu. Donc, ça pose un peu problème. Peut-être Chargun va l'acheter, mais même en l'achetant. Il va pas tout le temps y jouer, il va y jouer juste les week-ends, donc j'ai pas vraiment des personnes avec qui jouer. Par contre, j'avais fait une partie dans la Dark Zone, je m'étais retrouvé avec des Français et c'était l'éclate. Hein. Franchement, je me suis bien amusé avec eux. Donc il suffit de trouver un groupe de joueurs et tu t'amuses. Hein. N'oubliez pas. En avant. Qu'est-ce qui se passe? Entrez dans le terminal bus. Ah! Ça, c'est Pardard 2000. C'est pas parce qu'on est à Hell Kitchen. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ils veulent faire péter ça en fait? Fuck!
Quoi? OP truc, machin truc, et die. Bah en fait, Sharin, il a deux PC. Il a un PC portable qui est en carton. C'est là où il fait ses montages en plus, ça, parce qu'il peut le transporter n'importe où, ce PC. Et il a un PC, un vrai PC fixe, qui lui envoie du steak. Je connais pas ce groupe d'ennemis là. Ils sont marrants. Putain, par contre, il met cher. Monte ta tête. Ouais, c'est ça que je voulais. Bien gentil de collaborer. Merde, c'est des pros. Bah oui, c'est bon. Ouais, faudra leur dire en gros. Coucou! Attention! Je leur mets cher quand même. Bah, je veux bien en faire une, mais le truc c'est que faut qu'on puisse jouer tous les deux, quoi. Mais déjà avec Dooms, on a prévu de se faire une vidéo sur Ark. Oh putain! Mais j'aimerais bien en faire une avec Dooms, hein, en effet. Mente ta tête, toi. Bing. Et j'aimerais bien faire une avec Dooms de vidéo. Mais elle est pas connectée. Elle est connectée ou pas, là? Oula, putain. Bon, pendant ce temps que je regarde ça... C'est pas gentil. Niveau 14, wouh! Le feu! C'est pas mal cette mission. Et là, plus j'avance dans le jeu, et plus il y a des missions différentes en fait. C'est ça qui marche. Bon, ça consiste toujours à tuer des gens, mais de différentes manières. Est-ce qu'elle est connectée là? Dooms? Dooms. Je suis en train de lui demander là. En direct. En direct live là. Bon, elle est pas connectée, mais je lui laisse un petit message là. Elle est comme ça. On s'en va des petits messages, allez moi. Elle a bien progressé quand même, Dooms aussi. Je suis bien content pour elle qu'elle ait bien avancé comme ça dans l'univers de Dems. L'univers de YouTube. Ouais, elle est très occupée après Dooms. Mais après, on a prévu de se faire plein de trucs. Hein. On a prévu de se faire. Pas un truc, ouais, c'est pas parce que elle a marqué ouais je t'aime de qui et tout que forcément. Enfin, je serai toujours là si vous avez besoin. J'étais mort de trouille. Merci. Agent, vous n'aurez pas besoin que je vous rappelle à quel point vous êtes extraordinaire, mais tant que je vous tiens, je vais vous le dire. Vous êtes carrément mon idole. J'adore votre tenue, votre style, tous. Et ça vous dirait qu'on aille boire un verre à la fin de tout ça? Elle fait un break en ce moment? M'en fous. Pour moi, elle fera pas de break. Bon, elle va dire, ouais, elle fait les vidéos avec ta radio. Je suis sa star. J'ai son idole aussi en même temps. Faut la comprendre. Je peux pas. C'est parce que. Tu sais pourquoi? Bon, je sais pourquoi elle fait un break. C'est parce qu'elle a pas fait de vidéo avec moi encore. C'est pour ça. Ça se comprend. Ça se comprend. Comment je me la pète?
Non, mais par contre, ouais, c'est seriously, on avait prévu depuis. Ça fait un moment qu'on a prévu de se faire des vidéos sur Ark et sur The Division aussi. Enfin, The Division. Oh, ça serait trop bien qu'on puisse récupérer. Ah putain, je peux pas. Oh, vous imaginez, je me trimballe avec la hache là, je démonte les. Ça, par contre, ça manque. Hein. Des armes de cac, ça manque vraiment ça. Ça manque vraiment. Ça serait bien qu'ils mettent des armes de cac sur The Division, mais bon. Ils le feront pas. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, hop, hop. Par contre, j'ai 15 trucs. Putain, heureusement que j'ai de l'emplacement dans mon sac. 15 sur 48. Bon! On en est où là sur cette zone? Il nous reste quoi? Map, s'il te plaît. Deux trucs, et on a fini la zone. Et après, on va pouvoir attaquer à droite. Par contre, là, ça a l'air d'être Times Square. Ça a l'air d'être une grosse, grosse zone, là. Salut, bébé, t'appelles-toi, dis donc? Ouais, salut. Bon, écoute, il se passe des trucs vraiment pas cool, là. Il faut qu'on quitte la ville le plus vite possible. Et quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, écoute, il faut que tu prépares des affaires. Ton petit sac vert, là, tu vois lequel? Prends juste des trucs essentiels, il faut pas qu'il soit trop lourd. Je passe te chercher dans 5 minutes. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. À 3. Tac, si on traîne, on sera coincé ici. Tous les accès à l'île vont être coupés. 3 missiles il nous reste. Et on aura fini la zone. Attention, une petite présence hostile détectée. Si vous remarquez bien, si vous écoutez bien, les différents. Ils ont pas beaucoup de doubleurs français quand même. Parce que souvent on retrouve les mêmes voix. Ils sont des bonnes voix. Hein. C'est assez bien doublé. Mais il n'y en a pas tant que ça. Petite analyse. Je sais pas pourquoi. Hop hop, ninja. Oh, il lui a tiré dessus. Méchant. Oula! Ah, c'est bon. Attention, présence hostile détectée. T'es il est où? T'es là? Ouh, vous êtes plusieurs à venir. D'abord, je récupère le loot, si vous le voulez bien. Ah, mais là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a 3 doubleurs, quoi, pour le jeu. J'ai l'impression qu'il y a 3 doubleurs pour le jeu. Le mec là qu'on a entendu sur la voix précédente, mais je l'entends dans toutes les zones pratiquement. Donc ça n'empêche pas que c'est des bons doubleurs. Mais je suis désolé, mais quand, par contre ça... Putain, toi tu me saoules là. Ta gueule. Non mais c'est abusé quoi, il devrait faire des... Moi sur ça je suis vachement sur au niveau des doublages des voix, je suis très attentif sur ça. Par exemple, moi ma voix préférée c'est, je sais pas si ça te parle, le manga GTO, Great Teacher Onizuka. Eh ben t'as son doubleur, c'est mon préféré. Et lui on le retrouve dans beaucoup de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est laquelle? On le retrouve dans beaucoup de films, dans beaucoup de trucs. Moi, de toute façon, dès que la voix, je l'ai déjà entendue, je la reconnais direct. Hein. Je la reconnais direct. C'est. Mais c'est important pour moi parce que ça c'est vachement immersif. Quand t'as des voix différentes, c'est vachement immersif. Tu regardes Fallout, t'as plein de voix qui reviennent. T'as plein de voix qui reviennent. Sauf pour les voix des followers. Les voix des followers, ça revient pas trop. Mais par contre, je suis sûr qu'on arrivera à les autres, voix, putain, c'est tout le temps quoi, tout le temps. Et moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas ça. Ça me titille. Largage humanitaire. Après, ce qu'on va faire. Oula, j'ai vu des méchants. Les laisse pas s'échapper. Emplacement marqué à proximité. Bah arrêtez de courir. Je vous tire dessus. Respectez-moi un petit peu. Oh, je l'ai raté. Attaque au cac.
6, par au 3. On est presque arrivé. Terminé. Oh, retournez à l'objectif. Échec de la... Mais non. Mais t'es sérieux, hein? Mais vous êtes sérieux? Ah, je suis vénère. Ah, je suis colère. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit, une petite marche arrière. Ah ouais, ça m'a carrément échoué. Ah ouais, ils sont comme ça. T'as raté? Ben bim. Bon, ben on va faire ça et puis on va devoir revenir là, évidemment. Données analysées, téléchargement des fichiers. Je connais que deux malheureusement, mais je suis comme toi. Le doublage et la musique, c'est des points que je trouve vachement importants. Ça vient juste après l'histoire. Ouais, voilà, moi aussi. Il faut trouver la personne qui a diffusé ces preuves. Le lanceur d'alerte pourrait être Judy Walters, une employée de VXX. Elle a été vue pour la dernière fois au siège social de la compagnie. C'est très important. Moi, selon moi, c'est vital même. Parfois, je préfère un truc d'agent disparu. Je préfère des voix anglaises parce que les voix françaises me saoulent tellement des fois que je vomis, quoi. C'est comme quand je regarde des mangas. Des mangas en stream, je les regarde tout le temps en japonais parce que en français je vomis. Qu'est-ce que c'est la mission? Ouais, on se rapproche beaucoup là de la zone là que j'aime pas trop là. Est-ce que tu m'emmènes, petit agent secret? Pareil que tu vas m'amener dans ce petit garage. Ok. Du verre, c'est du cracra. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Boîte de conserve? Allez, tiens, mange. Je vous suis tellement reconnaissante. Pas de rien. Dis-moi ton écharpe. Les mecs, n'empêche, tu leur files une boîte de conserve et ils te filent, je sais pas, des fringues, une écharpe, des conneries, quoi. Allez, bim. Ça, c'est cadeau. L'outillage. Bon. Dites-moi que la mission est revenue. Putain, la mission est même pas revenue. Faudra que je revienne. Ou que je rentre dans une planque. On va voir. T'as le fait d'échouer la mission. J'ai échoué la mission et je vais être obligé de reload le jeu, quoi, limite. C'est abusé. Genre les jeux Telltale. Ah ouais, j'adore les jeux Telltale. The Walking Dead, Wolf Among Us, ouais. Les gameplay est franchement pas top, les graphismes sont merdiques, mais j'ai kiffé grâce à l'histoire. Mais tu sais quoi? Pareil. J'ai fait, bon, pas la deuxième saison de Walking Dead parce qu'elle m'a moins fait kiffer parce qu'on est à la place de la gamine et que j'étais moins dedans du coup. Parce que moi j'aime bien avoir des personnages, des mecs en général, c'est pas méchant dans des femmes, hein, à part Lara Croft. Je préfère avoir des personnages masculins. Et là, le fait d'être une petite fille, c'était moins immersif pour moi en fait. Mais The Wolf Among Us, j'ai totalement kiffé. The Walking Dead de la première saison, un kiff total aussi. Personne disparue, Judy Walters, partie 1. Ouais, putain, cette mission en plusieurs trucs. Alors. Qu'avons-nous là? Un matin, dans une rue passante devant le siège de Verix. Donc, on est à la recherche d'une jeune femme. Excusez-moi, monsieur, mais je vais vous demander de partir. Attendez, on veut juste sécher un peu. Non, désolé, il faut prendre vos affaires et quitter les lieux. Vous êtes sur une propriété privée et vous gênez la circulation. Mais il n'y a pas de circulation ici. Allez, soyez sympa. Qui c'est toi? Ah, Judy Walters. Assistance laborante. Ce ne sont pas des monstres, monsieur Valassi. Je vais essayer de les convaincre. Moi aussi, j'y suis allé. Judy, que vous arriviez à les persuader ou pas, il faut que les gens soient mis au courant. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans mon émission, mais si vous pouviez au moins me donner un petit quelque chose. Je dois y aller. Je vous rappelle. Donc, on est à la recherche d'une scientifique, là, en fait. Hein. Si vous voulez
savoir la petite info, qui pourrait nous aider à trouver un vaccin par rapport au virus qui saccage la ville de Manhattan. Ouais, moi aussi, à la fin du premier, mais bon, je dis pas ce qui se passe pour pas spoiler les gens qui vont me regarder, mais j'ai chialé. C'était trop bien. C'est trop bien. C'est comme la fin de Mass Effect. J'ai chialé aussi. C'est con, hein, mais. Je faisais waouh, énorme, énorme. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Écho, écho, nouvel écho. C'est pas mal ça, cette idée de faire des échos et tout. C'est... J'aime bien, moi. Et quelle heure là? 18h06, bon, ça va. Judy Walter télécharge des données de sa société de son PC sur une clé USB. On s'en fout de Joe. Elle est où, Judith? C'est toi? Judith! Elle doit être de ce côté. Ah, c'est elle, là. Une seconde. Monsieur Valassi, j'ai été clair. Je ne dirai rien sur eux avant de leur avoir donné l'occasion d'arranger les choses. Et j'espère que vous arriverez à les convaincre. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous attends dehors. Je suis en direct à partir de 19h, Judy. Judy, on t'attend en salle de réunion. Eh, apparemment, la Judith. Ça tient n'importe quoi dehors. J'ai failli prendre ma journée en disant que j'étais malade. C'est vrai, en plus, j'ai un peu mal à la gorge. Mais avec le bilan comptable que j'ai à faire. Hey, Judy. Judy. Eh, apparemment, la petite Judith, là, elle faisait du trafic de données. Pas bien, ça. Vous voyez la zone. Allez, un nouvel écho. C'est la foire à l'écho, là. Là, ce qu'on va faire après, c'est que comme ça, on attaquera aussi une mission avec d'autres joueurs. Réunion du conseil. Judy, où est-ce que tu vas? Tu sais quoi? Je crois qu'avec quelques personnes et des ressources en plus, on l'aurait déjà, ce vaccin. Je pensais comment qu'on pourrait placer l'humanité en premier. D'accord, je vois. Mathieu. Madame Walters est en train de descendre. Retenez-la, s'il vous plaît. Judy? D'accord. J'y vais, Eta. Profite bien de tes vacances. Mais merci d'être passé, Ducky. Et je te dis à la semaine prochaine. Hein. Salut, Ducky. Qu'est-ce qu'on a là? Personne disparue, Judy Walters. Donc, elle aurait peut-être retrouvé des... Un vaccin. Balise d'écho actif détectée. Bah dis donc. Y'a que ça des échos là. Madame Walters, je vais vous demander d'attendre. Lâchez-moi. Carrément. Putain, la fille, elle a carrément le mec, s'il vous plaît, restez. Bim! La crie dans la gueule. Ici. Putain, c'est pas laissé faire la fille. Bah, elle a bien raison. Bon, comment je fais pour sortir, moi, de ce merdier là? D'accord. Petit raccourci. Nouvel écho. J. Waters meurtre, renversé. Merde, elle est morte. Renversée par une voiture. Putain, Rick, sans elle, on n'a plus rien. On peut peut-être faire quelque chose sur la directive 50.
d'infos là-dessus? Non, mais... Attends. Ah, ils ont quand même récupéré la clé USB. Ils ont quand même récupéré la clé USB. Bon, ça s'est pas bien terminé. Que Vexix ait déjà développé un vaccin ou non, cette clé USB pourrait contenir les informations dont on a besoin. Je vais voir ce que je peux trouver sur ce Rick Valassi. Merci. Agent, je voulais vous remercier personnellement. Bon, l'arrêt humanitaire, on va le réussir cette fois-ci. Waouh, 6h15. J'ai un écho lisible. Putain. Et ma gueule. On a un blessé. Je vais te calmer, moi. Je me retire. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Un placement marqué à proximité. Voilà, on y va tranquille. Et de 1. On se rapproche. Je pense qu'il ne pas trop. Tout le monde est à la queue de... Une minute et demie pour protéger ce ravitaillement. Attention, force hostile en approche. Eh ben, je suis content que vous soyez avec moi. On a encore des ennemis. Dis donc, cette balèze. Nettoyez-moi cette saloperie. Puis l'autre, il me gêne là au milieu. Les nettoyeurs, à l'attaque. Ils veulent pas nous lâcher. Attention, ça, les nettoyeurs hostile en approche. Bah non, y'a pas de nettoyeur. Putain, m'avait fait utiliser un scan pour rien, madame Brutti. Continuez de tirer comme ça. Ouais, on peut dire que vous savez tirer, vous. Des nettoyeurs, attention, allez piller ailleurs. Les Rikers n'ont aucune pitié. Attention, c'est les mecs du LMB. Rikers, LMB, nettoyeur, faut vous décider, les gars, par contre. Des nettoyeurs, à l'attaque. Mais y'a pas de nettoyeur. Ils veulent pas nous lâcher. Il n'y a pas de nettoyeur, personne. Ah si. Non. On va voir si vous aimez ça. Sans pitié. Ils veulent pas nous lâcher. Faut qu'on les prenne de ce côté. Ici Sparrow 3. On est en position et prêt à partir. Mais où ils vont là? Mais arrêtez de vous barrer aussi loin là. Bon, là ils me saoulent. Là ils ont gagné là. Là ils ont gagné. Je descends. D'ailleurs, je vous entends plus là, bande d'enfoirés. Bon. Ici. Agent, je voulais vous remercier personnellement. Et vous dire que je suis votre plus grand fan. Et que j'adore votre monde gadget. Et il y a un petit quelque chose qui vous attend ici de ma part. Juste pour vous dire merci pour les moments qu'on a partagés. Je vous oublierai jamais, agent. Moi, je vais très vite tout oublier, par contre. Qu'est-ce qu'on a là? Il n'y a pas un truc d'appel téléphonique là? Si. C'est juste à côté, je compte pas le prendre. Et il est là. Ça nous fera la lecture à la route. Service d'urgence, j'écoute. Oui, allô, je suis au coin de la 21ème Est et de la 3ème Avenue. C'est mon amie, elle est malade, elle a la grippe ou un truc du genre. Elle s'est évanouie sur le trottoir, j'arrive pas à la réveiller. Est-ce qu'elle respire? Je sais pas, je crois, oui. Son front est brûlant, elle est toute pâle et elle transpire beaucoup. D'accord,
Commencez par l'allonger sur le côté. Ok. Ok, ça y est, c'est bon. Là, je l'ai mis sur le côté. Vous pouvez envoyer une ambulance? Dès possible, oui. Nous recevons un nombre anormalement élevé d'appels depuis deux jours. Et nous faisons notre possible pour les traiter rapidement. Restez avec votre ami et nous enverrons une équipe dans les meilleurs délais. Bah, vous voyez, il a la voix de celle qui... l'opératrice. Eh bah, elle... tout le temps, je l'entends. Tout le temps, là, dans le jeu. Ça fait chier, quoi. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent pas recruter non plus... Enfin, à mon avis, ils peuvent pas non plus recruter... Ils ont un budget. Que cette zone est sûre. Ils peuvent pas recruter n'importe qui tout le temps, quoi. Mais bon, quand même, hein, ça fait chier, quoi. Agent, j'imagine que vous avez pas besoin que je vous dise que vous faites un boulot incroyable. Non. Vous savez, hein, oui, je sais. Au fait, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit à quel point vous étiez sexy? Parce que... Terminé. Toi, tu vas dessus te calmer, hein? On va... Tu vas aller voir ailleurs. Tu vas me foutre la paix, hein? Tu vas arrêter de me draguer, déjà. Parce que je suis pas pédé. J'ai rien contre les pédés, mais je suis pas pédé quand même. Des gants. Oh, on a des meilleurs gants, du coup. Bing. Un holster. Oh, le holster, il a l'air meilleur, du coup. Ouais, bah ouais. Tant pis. Hop là. Hey, viens jeter un œil ou je vais tout vendre. Qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, on va vendre. Hein. Mate-moi la marchandise. Tout ça, ça ne sert à rien que je le garde. On vend. Merci pour tout. Bon. Ben, on va faire ce que je vous ai dit. Agent, on a un gros problème avec le réseau électrique de Times Square. Je laisse Rhodes vous expliquer la situation. C'est lui qui sera votre contact pour cette mission. Merci. Alors, je vous explique. Le transformateur abaisseur de tension est bousillé, ce qui entraîne régulièrement des pannes. En temps normal, ce serait pas si grave, mais ça fait un moment que plus rien n'est normal dans cette ville. Si on fait rien rapidement, on risque d'avoir des coupures en chaîne sur l'ensemble de l'île. Alors si on pouvait éviter... Attention, visiblement, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Ça fait un moment que je l'ai quitté la zone de sûreté, débile. Donc on va commencer par faire cette mission. Bougez pas, je peux te regarder. Allez, donne. Je suis infecté, je vous dis. Comme ça, la prochaine fois, on aura à faire la zone, et puis voilà, quoi. Zéro challenge, ma gueule. Ok, facile. Allez, on trace. Petite esquive. Petit saut. C'est qui me tire dessus? C'est pas très gentil. Genre, rien ne fait en plus. Hein? Je sais pas si ça venait de moi ou pas. Et quelle heure là? 6h20. Bon. Ben, on progresse. Donc là, l'objectif, ça va être de faire la mission multijoueur et d'aller à la planque, je pense. Et puis, je pense que ça sera bien pour aujourd'hui. On aurait bien avancé comme ça. Ouais. Il y a un petit écho là. Pas petit. Hey, appel. T'es derrière, ça y est? Ouais. J'ai fait sauter la porte. Je suis en train d'entrer. Ok. Je vais voir ce qu'il y a à l'avant. Tu sais, je crois qu'on devrait utiliser des talkie-walkies. Les portables, ils vont finir par s'éteindre. Hé, hey, y'a du monde là-bas. T'es sûr? Mais ouais, je te dis. Si on consigne, on y va. C'est bon? Voilà. Ah mais merde, faudrait que je débloque, faudrait que je fasse... ouais, gestion de groupe, matchmaking... Pour... Qui va pas. Les panneaux lumineux arrêtent pas de clignoter, les néons aussi. Matchmaking en cours.
Putain, c'est quoi ça? Oh pardon, je vous ai pas vu, excusez-moi. Excusez-moi! Je vous ai totalement ignoré. Au revoir. Oh! Эш! Эш бин! Главное попасть в ту! Эш бин таверни! Честь! А что я был в ту уже я не попадаю? В ту уже сократили. У нас было, Миша, знаешь, сколько человек? Ouais, bon, directement, alors couper le son, ceux-là. 800 человек. Сейчас осталось 230. Понимаешь? Сейчас сокращают. C'est dégueulasse, Terraigny. Je viens de vous faire un rototo en direct, c'est beau. Parce que moi j'aime vous faire partager tous ces petits moments. Oh, que j'ai pas envie d'aller travailler ce soir, que je suis bien à poser avec vous. Heureusement que je vais être en vacances. Faire du bien. Знаешь, чем пессимист отличается от реалиста? Реалист объективно. А мне что, на коленях идти падать? Ну, опять, кто говорит про колени? Откуда колени вылезли? Kimberly Maldonado a aimé mon live. Rob Frein aime mon live. Bah c'est gentil les gars. Oh bon, des quatre. Notre priorité absolue, c'est de réactiver le transformateur de Times Square avant que le courant soit coupé dans l'ensemble du district. Je vais vous expliquer comment faire. Il n'y aura pas de problème. Je crois. Enfin, j'espère. Bref. Bah, c'est super. Il y a du sang là. Les Rikers. Oh, par contre, on va te couper la voix, toi, mon gars. Parce que tu parles un peu trop. Donc, gestion de groupe. Bon, on va tous les muter, voilà. Dans le doute, on les mute tous. C'est bien, on est 4 pour la mission, ça va aller vite, hein. Les mecs, ils sont en train de bourriner comme des tarés. Est-ce que je suis le seul compétent encore de ce groupe? Ça m'en a tout l'air. C'est moi le chef de team. Je suis le chef. Y'a qu'à appuyer sur le bouton, je vous assure, c'est tout. Ah bon cul. Ouais. Nickel, y'a plus de jus. Maintenant vous allez pouvoir bosser sur le transformateur sans vous prendre une châtaigne. Désolé Roth, je dois reprendre le commandement de cette mission. Avant que le signal des caméras ne soit coupé, j'ai identifié les corps présents dans cette salle. Ce sont des agents de la division. Agents, vos autres tâches sont suspendues jusqu'à ce qu'on découvre ce qui s'est passé. Oh non, saloperie de fédéraux. Il y a un poste de police dans les environs. Je vous envoie ses coordonnées. Vous devriez y trouver les enregistrements des caméras de sécurité. Restez sur vos gardes. Les coups de feu ont dû attirer l'attention des Rikers. Vous risquez d'avoir de la compagnie d'ici peu de temps. Ils ne vont pas laisser passer la chance de capturer une cible aussi précieuse que vous. Bingo! Nouveaux éléments hostiles détectés. J'ai vu des munitions? Ouais, des munitions. Et ils mettent cher quand même ces enfoirés. Hein.
C'est la guerre. Oh, je t'ai raté toi. Toi tu me gênes depuis tout à l'heure. Toi là, monte ta tête, monte ta tête. Monte ta tête que je te bute. Allez, sois sympa. On va devenir copains toi et moi. Là c'est la guerre les gars, vaut mieux bouger d'ici. Les trois découverts là, pas bon. Alerte agent allié en difficulté. Que je suis là pour me faire les boss, moi. Mais il est con! Je viens de te balancer du. Va te faire foutre. Mec, je lui balance du heal et tout ce qu'il trouve à faire, c'est quoi? Mettre son propre heal. Je veux pas le heal des autres. Je mange pas de ce pain-là. Par contre, ça fait bien XP la zone. C'est pas mal, hein. Examiner les enregistrements. Vous pouvez aller rétablir l'alimentation électrique. Elle a plus besoin de vous, c'est sûr. Parce que c'est pas comme si ce qu'on essaie de faire était important, hein. Bon, pour la suite, on va avoir besoin d'un tableau électrique en état de marche. Warren Gate, la compagnie électrique, avait envoyé un camion pour procéder à des réparations, mais elles ont jamais été signalées. Ce qui signifie qu'elles ont jamais eu lieu. C'est que les pièces, notamment le tableau électrique, se trouvent toujours à bord du camion. J'ai une idée d'où il peut se trouver. Alors si jamais vous êtes disponible. T'inquiète, t'inquiète, je suis disponible. Par contre, c'est la guerre. On est pas mal, on est pas mal là. Pas de menace. C'est marrant parce qu'on est, juste sur la frontière avec la Dark Zone. Du coup, on entend les mecs se friter à l'intérieur. C'est assez rigolo ça. Ça me plaît bien.
Maintenant, vous allez devoir brancher le tableau électrique au transformateur. Je vais vous indiquer comment faire. Si on a de la chance et que ça fonctionne, Times Square va s'illuminer comme à l'époque où il y avait tous ces connards de touristes. J'espère que vous avez fait gaffe en le portant. Si vous vous niquez le dos, vous allez pas pouvoir faire passer ça en accident du travail. L'autre, il est level 11, il fonce dans le tas, mais force 10, quoi. Oh, ils sont vachement plus résistants, les ennemis. Ou alors, c'est mon arme qui est pas assez pétée, là, encore. Allez, je prends. Allez, les gars, on le pète, hein. Allez, on va poser ça tranquillement dedans. De l'XP, de l'XP! J'aime l'XP. Où es-tu, toi? Bing! Sécurisons, sécurisons la petite zone. C'est bon ? C'est good ? Putain, j'ai bugué moi. Ça m'apprendra aussi. C'est bien fait pour moi. Je prends le loot alors qu'il reste des ennemis. Ouais. On contrôle la ville. Bon, toi, tu me fais chier. Ça me fait moins chier. Attention, pas de zone de réparation. Ok, là ça veut dire que ça va chier. Le truc, c'est qu'il suffit pas d'appuyer sur un bouton et de se tailler. Vous allez devoir rester sur place le temps qu'on s'assure que tout fonctionne correctement. Je suis désolée, mais cette position est trop exposée. Les Rikers ne sont pas stupides et ils sont à votre recherche. Après ce que vous avez fait en arrivant, ils vont tout faire pour avoir votre tête. Attention, élément hostile détecté. Ça va chier les bulles.
Et ils sont où? Clink. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression de beaucoup moins bien viser là. Est-ce que j'aurais pas un tout petit peu de lag? Nouveaux éléments hostiles détectés. Ah mais c'est Times Square là! J'avais pas fait gaffe! Ah c'est la classe ça. C'est la classe intersidérale. Beau boss. Nouveaux éléments hostiles. Montre-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. C'est la guerre. Attention, un agent de qui requiert votre aide immédiatement. Attention, un agent de votre équipe est blessé et a besoin d'aide. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Ah, c'est chaud de la patate là. Je suis tellement concentré là les amis. C'est tellement la guerre. J'ai arrêté de parler et tout. Je me suis même pas rendu compte.
Et voilà, les affaires prennent. Le réseau a l'air stable et les lumières sont allumées. Enfin, celles qui se sont pas fait tirer dessus. Eh, hey, je l'ai pas défoncé. Leur boss là, la con. C'est un sacré symbole. Putain, level 15 et tout. Waouh, la puissance. Si un mur a été dressé autour de la Dark Zone, c'est pas pour rien. C'est là que le virus a frappé le plus fort. Au point que personne, ni nous, ni le LMB, ni qui que ce soit, n'a pu en prendre le contrôle. Aujourd'hui, c'est un no man's land dans lequel les rares survivants sont prêts à braver le virus, plutôt que les différentes factions qui gèrent le reste de l'île. Et le peu qu'on sait de ce qui se passe derrière ce mur... Et c'était chaud, là. T'as la mission, c'est... Tu te déplaces pas beaucoup, si un mur mais a été dressé c'est la guerre, autour de la Dark Zone, c'est pas pour rien. C'est là que le virus a frappé le plus fort. Au point que personne, ni nous, ni le LMB, ni qui que ce soit, n'a pu en prendre le contrôle. Aujourd'hui, c'est un no man's land dans lequel les... Alors, il était où le skill, là? Dommage, j'aimerais bien voir un score à la fin. Oh, mais je lui ai tellement mis cher. Au corps à corps, là. La petite mitraillette dans sa face. Elle a rien compris. Oh putain, ils m'ont mis où? Dans la caverne. Bon, objectif. Allez, ici. Je reviens. C'était la guerre. C'était la putain de guerre. Eh, j'aurais carrément pas, section de joueurs niveau. Alors ça c'est la Dark Zone. Niveau 14, 16, niveau 16, 18, 15, 16. Je sais pas. Ouais, les niveaux ça monte pas tellement la Dark Zone. Putain, il y a une grosse différence entre la Dark Zone 3 et la Dark Zone 4. Putain. Et ça c'est. Tu fais pas à moitié là. On a un tal. On a une nouvelle preuve. On va la regarder. Ah, les bâtards! Connard de Riker, ça. J'ai tous les butés. Ça me donne que plus envie de les tuer. C'est fou, hein? Ah, il est plus puissant, ce flingue. Bâtard! Putain, ça m'a envie que d'une chose, c'est de les buter, ces connards. Est-ce qu'on a récupéré des meilleurs trucs, là?
Ouais, le gant. Quelle bande de bâtards. Les compatriotes. Qui sont morts. Tu cherches un truc en particulier? En plus, il y en a carrément 3 qui sont morts. Hein. Là, c'était cadeau. Putain, mais cette embuscade qu'ils nous ont fait. Elle est chaude cette mission. Cette embuscade à la fin là, c'était. C'était la guerre. Hein. C'était vraiment pas évident, vous imaginez. Là, en fait, les mecs ils traquent les gars de la division quoi. C'est chaud. Hein. Je vois pas pourquoi. Hein. J'ai juste tué des centaines des leurs, mais c'est tout. Quoi. C'était pas mal le petit effet d'ombre là de Huchel. En même temps, si c'était pas des connards, je les tuerais pas. Mais vu que c'est des connards, je suis obligé de les tuer. C'est comme ça. C'est la vie. Oh, j'ai un talent qui n'a pas été attribué. Capacité, talent. Je sais, j'ai un talent non assigné. Alors, qu'est-ce que j'ai comme talent? Électrocuter des cibles une probabilité de pas t'attuer. Tuer un ennemi avec une compétence ou une probabilité de 25%. Oh putain, c'est bien ça. Lors d'un déplacement d'un abri, les dégâts reçus diminuent de 25%. Tu as un ennemi avec une compétence déployée peut étendre la compétence de 10%. Tu as un ennemi avec l'arme de poing pour recevoir 30 balles pour votre arme principale. Et tu as une probabilité de ne pas utiliser d'arme. Réanimer un agent peut réduire les dégâts de 50%. Effectuer une suppression contre un ennemi. Soigner un ennemi étant en recherche de la compétence. Maîtrisage. Hey, il m'a bougé! Enculé, va! Personnage. Non, c'était où? Putain, il faut chier. Compétence. Talent. J'ai le talent. Je voudrais bien mettre le truc là pour les munitions là. Ah non, c'est avec une compétence. Ah, on va mettre triage. Let's go. Dégagez. Je sais pas que ça faire. Oh, je lui ai mis tellement cher à celui-là. Ah, il y a un petit truc vert, oh, tant pis. J'ai pas le temps, faut y aller. T'as vu ça? Connard de Rikers, vous êtes mes ennemis maintenant. Alors je prenais un malin plaisir à tuer les nettoyeurs, mais alors les Rikers aussi. Ah, ça me fait plaisir là. Regarde-le! Cours, enfoiré! Tiens! Espèce d'enfoiré là. Putain, quelle bande de bâtards ces Rikers. Je me demandais où vous étiez. Pardon, cul. C'est un réflexe. Ça. Pas de menace. Tiens, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Y'a pas de problème. Ah, Times Square là. C'est joli, hein. Ah, y'a encore les pubs, hein. Ah, il fait nuit, là. Oh, c'est beau, la nuit. Par contre, y'a plein de trucs qui sont cassés, là. C'est pas cool, ça. Ils sont congelés. Comme quoi, le froid, ça conserve. Warning quarantine. C'est marrant, quand même. C'est, ça a été bien... C'est bien reproduit, hein. Pas si cher dessus. Et quand même l'impact, hein. Mais ça casse pas tout le truc. Hein. Faut voir si je fais. Ouais. Ouais, c'est joli. Il y avait pas du loot là? Est-ce que c'est revenu? Parce que la dernière fois il y avait du loot. Donc forcément il doit. Voilà! Je le savais! Hein? Tu veux pas l'ouvrir? Oh putain, bâtard. Ça va pas l'ouvrir. Quelle arnaque. Ah, il y a des petits composants là.
C'est Apple ça. C'est le magasin d'Apple. Oder. Ah non. Ça doit être genre Acer. Ça doit. Non, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par Oder. Évidemment, ils ont pas le droit de mettre de la pub, mais. Leur auteur, hein. Mais. Je sais pas. Soit c'est Apple, soit c'est. Acer. Je pencherai plus pour Acer du coup. Même si le magasin ressemble étrangement à ceux d'Apple. Qu'est-ce qu'il y a, Gamy, là? Tu veux quoi? J'ai même pas vu ce que je t'ai donné. Ce que vous avez fait. Mais je te remercie pour ton fringue. Je suis bien content. Et la prochaine fois, nous changerons de vêtements. Youpi! C'est super! Super, qu'est-ce que vous faites dans la vie du tavernier? Nous, on regarde, ils changent de fringue et tout, c'est assez sympa. Mais c'est, le jeu, c'est pas The Division, on tire sur le champ? Non, avec le tavernier, c'est du relooking. Checkpoint découvert. Débloqué! Bonjour, messieurs! Ah, il est sympa ce plank. C'est un bar. Ah, c'est chouette. Viens, je suis sûr que ça t'intéresse. Oh non, putain. Ah, je croyais que... Bonjour, toi. Ah, tu parles pas, toi? Bah, tant mieux, écoute. Hein. Quelque chose te fait envie? Je préfère les gens qui me parlent pas. Fusil à pompe 9. Première vague en avant, ça c'est caca. On se voit une prochaine fois. Le panneau d'information, il est où? Ah oui, là. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, y a pas mal de trucs là. Meilleur prix, meilleur matos. Pas mal d'événements à proximité, ouais. C'est chiant qu'on puisse pas se TP sur le checkpoint carrément. Dernière Dark Zone, 29-30. Oh putain, là ça enchaîne les missions. Ah là putain, là c'est la fin, là c'est l'enchaînement de missions. Ça on l'a déjà fait, donc on a débloqué le passage. Ça, on y arrivera quand on aura fait toutes les zones ici. Hein. Donc là, il me reste la zone actuelle à faire et Clinton. On a bien avancé sur le jeu. Meilleur prix, meilleur matos. Allez, viens voir. Bon, il va être temps de nous quitter, les amis. Donc, je vous le rappelle, je vais partir en vacances. Donc, toute la semaine prochaine, ça ne sera que des lives de nuit qui aura lieu. Où je devrais chuchoter parce que la tavernière est d'or si elle dort. Donc la semaine prochaine, peu de live, peu de vidéos aussi forcément sur la chaîne YouTube. Par contre, la semaine d'après, c'est le rouleau compresseur, hein. on reprend, on fera plein de live parce que je serai en vacances et que la tavernière elle ne sera pas en vacances, du coup j'en profiterai pour faire plein de vidéos. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce live, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur The Division. Salut les potes.